Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour notre petit live du mercredi. J'ai un petit peu avancé les horaires, je crois que maintenant je vais avancer à 17h. Euh, c'est un petit peu plus simple au euh, niveau professionnel, personnel. Voilà. En tout cas, ce soir, on va attaquer un sujet assez d'actualité, la mise à jour fiscale de vos états comptables et fiscaux euh, de Sage. Alors, hop là, pour info, j'ai déjà produit sur le site BLC des vidéos qui sont totalement gratuites, que vous pouvez aller... Évidemment, euh, bah, regarder, re-regarder, euh, vraiment vous faire, euh, vous faire exploser les yeux de des vidéos, des superbes vidéos sur euh, ECF, à savoir quels sont les prérequis avant la mise à jour des ECF, euh, comment on fait la mise à jour des ECF et globalement comment on passe cette mise à jour ensuite sur la base de données ici. Voilà, donc tout ça encore une fois, hein, c'est gratuit, c'est pour vous, n'hésitez pas, c'est prêt à consommer. Euh, le soir avant de dormir, c'est parfait. Euh, dans le train en rentrant du travail, c'est parfait. En voiture, on évite. Euh, voilà, en tout cas, c'est dédié, c'est pour vous, c'est fait pour. En tout cas, ce soir, on va parler bah, de tout ça. Et je vais vous montrer ici, voilà, mon petit euh, logiciel ECF. Alors j'ai fait l'install, hein, je vous ai fait un petit peu le... Je n'ai pas fait le supplice de, de, de vous laisser un petit peu l'install à faire. C'est assez long, ça dépend des, des postes. Enfin voilà, ça prend 5 minutes quoi. Donc euh, bon, on a passé cette étape. En tout cas, j'ai installé la nouvelle version de Sage comptable et fiscaux. Donc une version ici qu'on a en version 15, alors qui n'est pas la dernière version effectivement de Sage état comptable et fiscaux, mais qui est celle qu'on retrouve sur le site de Sage euh, quand, on, euh, bah, quand, quand on télécharge globalement ce logiciel. Lorsque vous l'avez téléchargé, bah vous pouvez le lancer, un peu comme j'ai fait là ici, et vous allez avoir plusieurs actions à mener. La première action, vous le voyez ici, il y a une nouvelle version qui est disponible de cette Jetta comptable et fiscaux. Avant de vous poser la moindre question, on clique ici sur la nouvelle version et on installe la mise à jour fiscale 2022. Et là, on est en nouvelle version 15.04. Et à chaque fois, vous avez ici le détail de ce que ça peut ici, euh, de, à, à quoi correspond cette mise à jour. Donc on voit ici le formulaire et outils de génération EDI pour la dématérialisation EDI TDFC d'Elias, CVAE et DEC le loyer millésime 2022. Donc là, bah on y est, hein, globalement, on va déposer nos comptes. Il nous faut absolument ce millésime-là. Vous n'avez pas le choix de faire cette mise à jour fiscale, hein, c'est ce qu'on appelle tous les ans la mise à jour fiscale des ECF, et oui c'est tous les jours, tous les ans, euh, comme anciennement euh, la DASU, euh, tout ça qui a été remplacé euh, maintenant euh, comme vous le savez, mais euh, voilà on est toujours, on a toujours comme ça des échéances sociales, des échéances fiscales, et eh bien ici ce soir on parle d'une échéance fiscale. Et donc on va donc cliquer sur ok pour pouvoir, bah, un, télécharger la mise à jour, oui j'ai un bon débit ça télécharge assez vite, et deux, et eh bien setup, passer l'installation Directement de votre logiciel. Alors, c'est pas très compliqué. On va faire une installation sur Sage maintenant. Bah, vous le savez, il hein, n'y a plus besoin de faire des grandes études de développeurs ni d'informaticien. Vous cliquez quatre fois sur Suivant et globalement, vous avez fini votre installation. Pour un peu qu'on vous demande des codes qu'on vous a déjà fournis, il suffit simplement de savoir saisir sur votre clavier une combinaison de lettres et de chiffres. Donc jusque là, ça va. Donc on va cliquer ici sur Suivant, comme je vous le disais. Hein, c'est vraiment euh, très compliqué. Alors. Par contre, bah, c'est Sage, hein. quand on clique sur suivant, ça ne fait pas forcément tout de suite suivant. Mais toutefois, c'est quand même un très bon logiciel. Euh, Sage état comptable et fiscaux, c'est un des softs que j'aime je... le plus chez Sage, avec pourquoi pas les immobilisations. Mais état comptable et fiscaux, bah, je trouve que franchement, il va droit au but. Son job, c'est de faire de l'alias fiscal, de la plaquette, de télé-déclarer. Bah, franchement, son job, il est fait à 100%. On ne peut pas lui demander plus de choses. Bah, c'est assez simple. C'est lié nativement avec la Compta Sage si vous avez la, évidemment la Compta Sage. C'est lié avec d'autres comptabilités, un port de balance, un classique en format texte, ce que vous voulez. Donc globalement, vous n'êtes pas obligé d'être sur Sage pour faire, pour utiliser ECF. Euh, voilà, et, ça, et ça, fonctionne très bien et c'est un module qui en plus est peu onéreux chez Sage. Donc on va ici cliquer sur terminer, on va avoir donc le Sage Auto Update qui va euh, bah, se, se, se fermer de lui-même et qui va euh, nous relancer notre petit logiciel en nous disant globalement que la mise à jour s'est bien passée normalement si tout est correct dans, dans mon outil. Donc on va voir ça, ça tout de suite ensemble. Ok, donc c'est toujours un peu long hein, quand même malgré tout. C'est pour ça que je vous ai un petit peu passé l'installation du soft. Voilà, parce que même si c'est un petit soft il faut quand même euh, effectivement être attentif. En tout cas, avant d'aller plus loin, il y a quand même des prérogatives, et notamment la prérogative principale ici, c'est celle que j'aborde dans cette vidéo qui s'appelle 7 ECF, les prérequis avant la mise à jour des ECF. Ça, c'est primordial de regarder cette vidéo, parce qu'ici, je vais vous parler de sauvegarde de sauvegarde de répertoire, de fichiers, de bases de données, voilà tout ce qu'il faut faire avant de faire sa mise à jour. Concrètement, vous avez 99% de chances qu'il ne vous arrive pas grand-chose lorsque vous allez faire votre mise à jour, mais dans le cas où vous tombez sur ce petit 1% qui peut vous pourrir la vie si vous n'avez pas fait les sauvegardes avant, voilà. là on évite tout sujet, on fait une sauvegarde, on met ça dans un petit sous-dossier qu'on appelle temp, pour temporaire, on fait sa mise à jour, si ça se passe bien vous supprimez le fichier et on n'en parle plus et ça va très vite. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc ici, je n'ai pas saisi mon code, ce n'est pas très grave. On va rentrer donc dans notre logiciel. Et donc vous le voyez, j'ai plus de briques mises à jour. Je suis bien à jour. Alors je vais attendre qu'ils finissent. Normalement, c'était ce que je disais. Je crois quand même qu'il va me mettre, voilà, la mise à jour automatique s'est effectuée avec succès. On est bon jusque-là. Petit point d'interrogation à propos d'eux. Et ici, je vois bien que je suis, alors toujours en version... 15 mais mise à jour fiscale version 15.04. Voilà, donc là je sais que je suis dans le dernier millésime, celui d'aujourd'hui en l'occurrence. Hein. S'il y a un nouveau millésime, à bah, nouveau petite brique ici euh, jaune qui va se déclencher. Vous cliquez dessus, vous faites la mise à jour et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord, et ça vous devez le faire sur autant de fois qu'il y a de postes concernés où vous avez installé cette état comptable et fiscaux. Voilà. Moi je suis sur un serveur, c'est un peu ce qu'on conseille aujourd'hui à nos clients de travailler sur un serveur. RDP, TSE, pour pouvoir se connecter depuis n'importe où. Et surtout, toujours n'avoir à faire qu'une seule installation, ce qui, évite, euh, bah voilà, ce qui évite des frais imprévus. Ensuite, et eh bien ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir notre base de données. Donc là, ce qu'on va faire, fichier, ouvrir, on va aller chercher notre base de données bijoux, peu importe, hein, votre base de données, en tout cas vous, euh, que vous travaillez tous les jours. Et en l'occurrence, et eh bien vous allez ici vous connecter à votre fichier. Et quand vous allez vous connecter, alors s'il y a un mot de passe, bah c'est du mot de passe bien sûr, mais quand vous allez vous connecter la première fois avec la nouvelle mise à jour fiscale, vous allez avoir ce message. Mise à jour fiscale, mise à jour de votre fichier. La dernière mise à jour fiscale a été installée sur votre ordinateur. Il est nécessaire à présent d'intégrer ces modifications à votre fichier. Vous avez deux possibilités, soit mettre à jour les données en conservant vos modifications de paramétrage, soit reprendre l'intégralité du nouveau paramétrage. Concrètement on va dire à nouveau que dans 99% des cas, il faut conserver cette première option, mettre à jour les données en conservant vos modifications de paramétrage. Pourquoi Dans ECF, on peut le voir, idem, dans toutes les vidéos de formation que je fais ici sur ECF, on peut utiliser ECF comme il vous est mis en place par SEDGE initialement, et on peut aussi tout paramétrer. Ensemble. C'est-à-dire chaque rubrique de la liasse fiscale, on peut repasser dessus et faire nos propres calculs. C'est parfois demandé par certains clients qui veulent qu'on retraite, par exemple, euh, le transport sur achat, le transport sur vente, Voilà qu'on le mette, pourquoi pas, dans la détermination de la marge, euh, ce qui peut ne pas être le cas si on utilise les comptes. Alors je crois que c'est 624, 100 et 200, euh, le transport sur achat, sur vente. Et donc les 62 ne sont en général pas pris en compte dans la marge. Mais toutefois, voilà, si on a besoin de, de, de le prendre en compte, eh bien, il faut modifier les formules dans l'alias. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des modifications de paramétrage. Et donc, si ici, si vous reprenez l'intégralité du nouveau paramétrage, bah, tout ce que vous avez pu faire précédemment, tout va être annulé. Si vous avez commencé à saisir votre nouvelle liasse fiscale avec l'ancienne euh, euh, mise à jour fiscale, l'ancien euh, millésime, ce qui est complètement possible, hein. on peut complètement préparer sa liasse fiscale, attendre le millésime définitif et ensuite, ce qui va simplement nous permettre d'envoyer sa liasse, c'est possible aussi, mais si vous cliquez sur reprendre l'intégralité, tout ce que vous allez faire manuellement dans l'outil, eh bien, va être perdu. Donc, ici, petit conseil, on ne touche à rien, on laisse mettre à jour les données en conservant les modifications de paramétrage et globalement, on peut cliquer sur fin. Le logiciel ici vous donne une petite barre de traitement alors qu'il va du début vers la fin donc concrètement on ne sait absolument pas où on en est. Donc on ne peut ici que attendre euh, et dans l'absolu pourquoi pas aller se faire un café et revenir et se rendre compte que la mise à jour est terminée. C'est jamais très long. Alors ça dépend bien sûr des bases de données, du PC, euh, de la performance du PC sur lequel vous avez installé le soft. Voilà, ça dépend de plein de choses. Mais euh, voilà, il y a quand même une certaine rapidité aujourd'hui, on n'est plus dans les anciennes versions comme il y a 10 ans. Où c'était vraiment très très long. Là, on, ça, ça accélère quand même un petit peu. Donc là, on me dit que la mise à jour fiscale est terminée et que là, je peux désormais télédéclarer ma liasse fiscale. Pour la déclaration de la liasse fiscale, donc traitement, EDI, TDFC, et vous suivez ici la procédure qui va vous être annoncée. Et à chaque fois que le logiciel va rencontrer une erreur, il va vous le dire. Vous voyez ici, je vais pouvoir télédéclarer de façon définitive ou provisoire. On va mettre définitif. On va envoyer un test. Ok, la déclaration fiscale. Je vais cliquer sur suivant. Données transmises. Ah, L'OGA, ce n'est pas la nécessité. DGFIP, oui. Suivant, raison sociale, euh, il fait un. Ceci étant, Bijou est peut-être bien paramétré. Je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, là, si je clique sur fin, eh bien, il va y avoir les éléments de transfert. Donc, ça passe avec Sedge Direct. Hein, et après, Sedge Direct reste allumé. On a les, les notifications, notamment, et de Sedge et de l'administration fiscale qui reviennent vers vous pour vous dire si le dépôt a été accepté ou s'il a été refusé. Et dans le cas d'un refus, vous avez le motif de refus ce qui vous permet de modifier votre liasse fiscale et de refaire à nouveau la télé-déclaration. Voilà, rien de compliqué dans cette mise à jour. Euh, voilà, ça peut être plus ou moins long maintenant si vous avez plusieurs bases de données, des installations. Là, ça va assez vite. Hein. Vous avez vu, j'ai un serveur qui est quand même assez performant. Ce n'est pas le plus performant du monde, mais il est quand même très performant. Donc, les installations euh, vont relativement vite. La mise à jour va relativement vite. Ça peut ne pas être le cas sur votre poste. Toutefois, euh, n'abandonnez pas, n'ayez pas peur. Alors, vous savez, sur Sage, quand le logiciel réfléchit, quand vous cliquez quelque part, il met « ne répond pas ». Surtout, ne le coupez pas. Il est en train de faire la mise à jour fiscale euh, comme, comme, comme globalement il doit le faire, simplement il répond pas parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Euh, voilà, donc en tout cas, pas grand chose à dire sur bah, cette fameuse euh, mise à jour fiscale. C'est euh, effectivement. Alors par contre, ça peut être à répétition. Encore une fois, aujourd'hui, on est le, le, le 30 mars, alors, on est quand même un peu vers, vers la fin de la période, même si on peut déclarer jusqu'au mois de mai. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle mise à jour qui tombe. Euh, voilà, en tout cas, quand on commence à faire les mises à jour à partir de janvier, qu'on a le logiciel et ainsi de suite, bah, on peut euh, être amené à faire plusieurs fois par mois cette fameuse mise à jour parce que bah, SEDG met en place effectivement des petits, euh, des petits plus sur la mise à jour fiscale en fonction de ce que communique aussi la DGFIP, hein, euh, qui est le gendarme de l'alias fiscal, si vous préférez, le gendarme des comptes d'entreprise. Euh, voilà, en en l'occurrence, lui, euh, eh bien, il définit euh, un millésime et ainsi de suite. Pour le dépôt, et donc Sage, eh bien aimé des mises à jour à installer sur le poste, donc vous pouvez être amené à le faire plusieurs fois. On peut également, donc plusieurs moyens de se rendre compte. Hein. À propos d'eux, ici je vois bien que je suis en mise à jour fiscale 15.04. On peut aller voir sur le site de Sedge quelle est la dernière mise à jour, c'est celle-là aussi. Et on peut aussi, pourquoi pas, lancer l'alias fiscal. Bon, donc là il va déterminer sa alias, il va la générer, en fonction de ce qu'on a paramétré avec l'outil, hein, bien sûr. Là, on ne rentre pas dans les paramétrages de la liasse fiscale. On pourrait y revenir dessus. Je ne suis pas certain que ça intéresse tout le monde. Euh, ouais, C'est assez complexe, la liasse fiscale et surtout son paramétrage. Euh, toutefois, il y a un petit moyen ici qui va vous permettre de savoir si vous êtes bien sur le bon millésime. Voilà. Tout simplement, quand vous allez regarder ici votre liasse fiscale, eh bien, vous allez avoir l'année ici qui va apparaître, 2022. Donc là, je suis... En 2022, je déclare mes comptes de 2021 mais c'est bien le millésime de 2022 que l'on attend. D'accord, il y a eu des mises à jour fiscales hein, déjà au début d'année 2022 euh, qui étaient déjà concernées comme enfin qui concernaient des mises à jour fiscales mais qui pour autant ne concernaient toujours que le millésime 2021. Là on est sûr, on est bien sur du 2022, j'ai déjà a priori un millésime qui peut correspondre euh, à ce qu'attend le fisc lorsque je vais pouvoir eh bien transmettre ma liasse fiscale. Voilà. Donc l'alias fiscal hein, pour ceux qui ne le savent pas bah, c'est euh, voilà, tous ces petits feuillets là qui sont très sympas à lire, pareil euh, avant de se coucher c'est très très sympa l'alias fiscal, on peut y aller, on peut lire ça, les immobilisations c'est vraiment, euh, c'est incroyable, c'est vraiment plein de bonnes choses, vous pouvez le lire, le relire, euh, pareil pour vos enfants vous pouvez éditer un livre grâce à ça, vous allez voir c'est très intéressant. Euh, mais voilà mais en tout cas voilà, ça c'est obligatoire pour beaucoup d'entreprises euh, le dépôt se fait normalement dans les trois mois qui suivent euh, la date de clôture sauf pour les exercices clos 31-12 de chaque année voilà, comme il y a beaucoup plus d'exercices en général comme on laisse un peu le temps aux experts comptables et commissaires aux comptes de revenir sur les comptes de leurs clients et eh bien l'administration autorise de décaler un petit peu ce, cet envoi. Et je crois que cette année, ça doit être dans les alentours du 3, 4, 5 mai, quelque chose comme ça, chose comme ça la date limite de dépôt de l'alias fiscal. Voilà. En tout cas, vous avez vu, la mise à jour, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Si vous vous sentez de le faire seul, bah franchement, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, toutefois, vous ne pouvez pas faire d'erreur. À nouveau, je le répète, vous ne pouvez pas faire d'erreur si vous respectez. Les prérequis avant la mise à jour des ECF. Autrement, on ne répond de rien, effectivement. Si vous plantez le système ou cassez vos bases de données et que vous n'avez pas fait de sauvegarde avant, bah c'est tout de suite un petit peu plus pénible pour revenir en arrière. Voilà. En tout cas, vous retrouvez tout le nécessaire sur le site internet. Ce live sera en rediffusion sur YouTube, en replay sur YouTube. Vous allez pouvoir le consulter également autant que vous voulez. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez retrouver. Euh, alors, on peut hein, euh, partir d'ici et vous allez pouvoir con nous contacter au sujet de l'alias fiscal. Et vous pouvez également rejoindre notre Discord, notre communauté Discord, où il y a plus de 900, mem 900 membres, pardon, qui s'entraident les uns les autres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au sujet du logiciel Sage CF ou même d'autres logiciels Sage PyDrive, euh, MyReport, j'en oublie certainement. Euh, euh, Upspot, euh, voilà j'en oublie encore certainement, mais c'est pas très grave. Posez-nous les questions, posez-vous vos questions et vous verrez, on a une communauté qui est très active, très sympa et qui va se faire un plaisir euh, d'y répondre. Voilà. C'était Sylvain, c'était mon petit live du mercredi. Ce soir c'était pas très long, mais le sujet était pas très compliqué. On essaiera de faire un petit peu plus long la semaine prochaine pour, euh, pour ceux qui aiment me suivre euh, plus longuement le mercredi. Allez, je vous promets de faire quelque chose de plus long pour la semaine prochaine. Voilà. Bon. C'était Sylvain, je vous souhaite un très bon mercredi, une très bonne fin de semaine. Et on se dit à lundi, lundi, le retour des petits tips du Père Lipa. Je ne sais pas quel est le sujet, mais euh, voilà, on est en train de pondre ça avec, euh, avec euh, le R, voilà, qui est la personne qui s'occupe du marketing chez BLC. Mais on vous pond un petit programme des, des lives qui va être assez cool sur le mois d'avril. Allez, à plus tard, ciao.